Quoi? Hein? Et les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la Frapsolus de Luigi's Mansion 2 sur Nintendo 3DS. Nous reprenons, comme à notre habitude, notre petit fichier de sauvegarde et on va ici s'attaquer au dernier niveau du Pendularium, niveau que nous débloquons. Je rappelle que le Pendularium est le troisième monde du jeu, hein. Niveau que nous débloquons une fois que nous avons réussi à récupérer l'ensemble des bouts. Il s'agit de intervention inattendue, tiens tiens, activité paranormale détectée dans tout le Pendularium. Tu es fin prêt pour une partie de chasse aux fantômes, mon garçon? Et on va devoir y aller. J'adore son compte à rebours. C'est très bien trouvé. Enfin, très bien trouvé. Tout le monde a déjà fait ça une ou deux fois. Les films, c'est connu. Il y en a plein des scènes dans ce genre-là. Mais je trouve ça, toujours ça aussi intéressant et aussi agréable comme, comme surprise. Sauf bien sûr quand ça nous concerne. À tes souhaits, Luigi. Donc vous connaissez le principe de ce type de niveau, je rappelle que c'est totalement aléatoire quant à l'apparition des fantômes. Entrepôt. Bon apparemment c'est directement cette salle-là, ça commence bien, toi viens là. Viens me rendre visite, suivant. Ok, cette salle c'est bon. Suivante. Dépôt et finition, ok. On va pouvoir regarder la carte rapidement pendant qu'il ouvre la porte. Ok, je vois où c'est, on y va. Donc je rappelle qu'il y a un compte à rebours, enfin compte à rebours, un chronomètre plutôt à droite, c'est pas un compte à rebours, ça marche dans l'autre sens. Donc c'est le chronomètre et le but du jeu bien sûr... Ah, il n'y a pas des pièces derrière. Je perds un petit peu de temps mais... Je sais pas, ça me tentait trop de voir ces petites choses qui brillaient derrière le rideau. Et donc comme je le disais, il faut réussir à attraper les fantômes dans le... C'est pas le temps imparti mais dans un minimum de temps. Monsieur, je vous embarque. Et voilà. On ressort et on part à droite. Comme si j'allais te laisser partir, l'ami. Ensuite. Trois pièces! Je vais me faire avoir par celui-ci là. Donc ça c'est bon. Rez-de-chaussée, c'est où du coup qu'il faut que j'aille? Eh, sors mon ami. C'est bon. Ok, je vois par où il faudrait que je passe. Non, pas par ici. Quoique...
Non, on va éviter de faire ça parce que je serai bloqué vis-à-vis du système avec le mur qui se déplace dans la salle des plans. Si jamais il y a des fantômes qui apparaissent de l'autre côté, donc on va partir par ici. En espérant que ça va pas prendre trop de temps non plus. Du moins que j'en perdrai pas trop. Voilà, par là. On se dépêche, les amis. Par ici. Phew. On va y arriver. On y croit. Bon, rassurez-vous, dans les salles où vous n'avez pas d'apparition, normalement, il ne se passe rien. Hein. Vous n'avez pas à prendre peur de ce que vous pourriez éventuellement trouver. Ah, le sable, qu'est-ce que c'est embêtant. Ok, nous y sommes. Toi, t'es à moi. Ouais. Et on va laisser me taper. Ok. Et une seule terminée. Il reste plus que la dernière, là-haut. Donc on va essayer de faire vite, si possible. Encore une fois, attention. J'ai peur d'avoir mis un petit peu trop de temps. Wow. Ouh, tout plein de sous. Allez, moment de vérité. Oh. Yellow. Ciao. Donc comme je disais, c'est le moment de voir si nous avons réussi à obtenir les 3 étoiles ou non. Et sans perte de vie en plus, les 3 étoiles, parfait. Temps, donc 4042, fantôme 25, énergie perdue 0, j'ai réussi à ne pas me faire toucher, ce qui est assez extraordinaire, parce que je me suis fait toucher à chaque fois à l'entraînement. Et butin 478. Nickel, tout va bien. J'aime quand ça se passe aussi aisément, on va dire. Alors par contre, je vais en profiter pour vous montrer une chose que j'ai oublié de vous présenter, enfin de vous présenter façon de parler, de vous montrer dans la vidéo précédente. Et voilà, butin 478. Et c'est tout. Et voilà, nous en avons enfin fini avec le Pendularium. Prochainement, nous passerons au premier niveau de la mine des mystères, Neige et Frima D1. Je suis sans nouvelles de l'assistode que j'avais envoyé au chalet. Est-ce qu'il se serait encore endormi dans la cheminée? Pardon, devant la cheminée, pas dans la cheminée, parce qu'un Todd dans une cheminée, ça doit pas faire long feu. Quel humour. Race est jeune, je vous jure. Bon. Mais avant cela, ce que je voulais vous montrer, c'est aller à la chambre forte. Nous avons débloqué normalement une nouvelle statue. Avec les gemmes que nous avons récupérées dans le troisième nom, donc je rappelle, le Pendularium. Et donc on a un sac et paquet de fric. Hein. La boîte à bout, les améliorations, je ne suis pas sûr, voilà, toutes les améliorations nous les avons déjà normalement. Collection de gemmes, c'est surtout ça que je cherchais. Voici les dernières, voir la statue. Non, ça c'est les manoirs du désespoir. Manoirs du désespoir, ok. Suivante, gemme des tours. Voilà, que l'on avait déjà vu. Et enfin, j'aime du Pendularium. Ah, un Luigi fier et en pleine forme. Ça, c'est joli. N'empêche, ils auraient pu faire
des sortes de trophées sur le Nintendo Network, enfin pas Network, mais le système de Nintendo, la Nintendo Club, avec ses formes, ou alors des papercraft, je ne sais pas, parce que finalement je pense que ça sera assez facile à réaliser ça avec les gemmes, et ça ferait de superbes décorations. Vous imaginez, on imprime ça et on met une petite lumière dans le socle, histoire que les gemmes puissent briller. Non, ça pourrait être pratique, ça pourrait être sympa. Même justement des lampes sur le Nintendo Club, bref, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien. Voilà, en tout cas on découvrira le prochain monde dans la précédente, mais non pas du tout, ça serait complètement bizarre quand même comme façon de faire. Et nous voilà de retour au bon endroit. Donc comme je disais, prochaine étape, les mines des mystères. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog itisonde3.fr. Passez une très agréable fin de journée et à ciao tout le monde. Salut.